nous blague. La jeunesse, c'est le Satan qui nous blague. Subhanallah, je suis belle, je porte des mèches humaines, je suis belle, je me rends comme tous les hommes me préfèrent. Je veux que quand je m'habille, les hommes m'apprécient. Subhanallah, ça amène quoi la fornication? Allahu Akbar. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui interdisent à les femmes, subhanallah, de porter les voiles. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, la mort ne va pas te prévenir. La mort est derrière toi. Arrête d'employer ce mot. Je suis jeune encore. Je fais la jeunesse. Ah, je ne suis pas encore prêt pour prendre le voile au stade. Je ne suis pas encore prête pour faire la prière correctement. Je ne suis pas encore prête pour faire le jeûne. Est-ce que toi, tu as signé quelque chose avec Dieu en disant que Dieu va te laisser jusqu'à 100 ans, jusqu'à 50 ans avant de pratiquer la religion? Tu n'as pas un accord avec Dieu. Dieu, il te dit au moment où tu atteins là, d'un adulte, tu dois pratiquer ta religion. Et toi, tu te dis que tu es encore jeune. Tu es encore jeune où? Mais tu es encore jeune, mais tu fais la fornication. Tu es encore jeune. Wallahi, tu vas dans les maquis. Tu es encore jeune, tu vas dans les bars. Tu es encore jeune, tu fais tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Mais toi, tu es jeune de pratiquer la religion. Subhanallah. Mais imaginez un peu, réfléchissez un peu et repentez-vous sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhal lezina amanu توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله على دي Oh, vous qui avez cru, repentez-vous sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Dieu peut pardonner vos péchés. C'est dès maintenant que tu dois t'élever. Wallah, une personne qui écoute cette vidéo et que tu ne partages pas avec ta camarade, avec ton ami, pour sauver ton ami. Wallah, billah, c'est que tu as trahi notre religion. Parce que tu dois le faire. Tu dois montrer à tout le monde que nous devons nous réveiller. La jeunesse est un temps et l'adoration aussi a un temps. Oh, c'est pas au moment où tu es vieux que Allah va accepter tes adorations. Non, c'est au moment où tu es jeune que Allah a besoin de toi. Arrêtez de porter des mèches humaines. Arrêtez d'aller dans des maquis, dans des bois, dans des bas de nid. Concentre-toi sur ton chemin. Concentre-toi sur Dieu. Wallah, mes frères et sœurs en islam, l'amour est proche de nous. La mort est proche de nous. La mort est proche de nous.